white snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face. Salut à tous et à tous, c'est The Francification pour une nouvelle vidéo. Donc, cette fois-ci, nous sommes sur Assassin's Creed Brotherhood. Et oui, vous l'avez entendu, celui où je disais tout le temps que j'allais faire une vidéo depuis 2-3 mois et j'ai toujours pas fait. Et bien, cette fois-ci, je la fais. Et je ne suis pas tout seul, je suis avec Cher Océan 3. Et désolé, est-ce que vas-y, dis salut. Vas-y, vas-y, continue à redire. Ouais, ouais. Oh, mais. Voilà, trois fois salut, c'est marrant. Et aussi un abonné, spécimen, malheureusement il ne pourra pas jouer vu qu'il n'a pas Assassin's Creed, mais. Ah bah on doit changer une équipe différente gros. Donc il y a un abonné qui s'appelle Spécimen Gamer. Je peux dire ça lui aussi. Vas-y dis salut là par contre vu que je t'ai coupé. Salut. J'espère qu'on l'entend, vous entendra, parce que bon, comme d'habitude, c'est toujours galère à vous entendre. Ah, ça a déjà commencé en plus. T'as regardé si moi je peux attaquer? Je sais pas. J'ai pris défense, mais bon. Ah ouais, moi non plus, moi j'ai pris attaque. Tu vois, comme ça, j'avais l'habitude. On sait même pas ce qu'on doit faire mais on prend n'importe quoi en fait, on... Ah non si. Je dois attaquer. Tu dois défendre, t'as bien fait de prendre défendre. Donc là ce mode de jeu là c'est chasse à l'homme, c'est en gros c'est du track mais en 4 contre 4. Et une fois par manche, la manche 1 par exemple c'est moi qui attaque et eux ils se défendent pour éviter de se faire tuer. Et l'autre manche c'est moi qui... c'est... Ah. Oh merde. Tu veux dire que c'est mort? J'ai fait le con en fait. Ah non, c'est moi qui dois trouver et tuer. Ah non, bah alors qu'est-ce que tu fais, chier? Moi je suis mort de toute façon, j'ai pas de... Donc là vous voyez bien, je me suis camouflé hein. C'est un peu le multijoueur d'Assassin's Creed maintenant, c'est... Ah non. Donc vous voyez bien, on gagnait pas en se cachant parce que le principe de là, vu qu'on doit défendre, c'est de se cacher, c'est pas aller tuer tout le monde ou aller miller tout le monde. Ça, au contraire, si, c'est tous ceux qui font ça, c'est des malades, mais je veux dire, dans le sens où il faut rester caché. Vous pouvez toujours miller en vous cachant et en vous barrant après derrière et vous en recachant derrière, ça c'est le truc que j'adore faire, mais après voilà. Il faut pas tout le temps faire. En fait, vous êtes quoi vous? Cédric? Vous êtes quel personnage? Ça ne dit pas lequel. Eh merde. Vous avez vu là, j'ai quand même tout de suite deviné qu'on allait m'avoir parce que le... Il y en a un déjà, il a mal tiré, il a tiré sur le mauvais médecin. Ce qui fait que bah malheureusement, il y en a un autre gars qui était juste à côté, qui a compris que j'étais là, donc il m'a assassiné comme on dit. Regardez bien. Si vous voudrez bien courir mon personnage. Voilà. Tous des médecins. J'ai un pouvoir qui permet ça. Maintenant, je peux me balader tranquillement. En fait, là, je fais aucune touche, ça avance tout seul, hein. C'est automatiquement. Donc ça va. Ça, c'est un bon point quand même. Donc malheureusement je pourrais pas faire les autres modes parce que d'une part ben il y a pas vraiment beaucoup de monde des moments, donc surtout au matin à cette heure là je pense qu'il y aura personne.
Le temps qu'on fasse une recherche, je pense que la vidéo elle sera déjà finie. Je suis mort. Voilà, je suis mort. Parce que là en fait le truc là permet d'aveugler moi et les autres, mais en fait les autres ils se couchent et moi non. Donc c'est vrai que je suis mort. Malheureusement. Mais sinon ce jeu, ben, Assassin's Creed est très excellent, il n'y a rien à dire. À part que juste pour le multi. Si vous l'achetez juste surtout pour son multi, ben espérez ne pas être tout seul, c'est surtout ça. Si vous êtes tout seul, ben vous allez vous emmerder. Ou si vous êtes à part si vous êtes vraiment un fan inconditionnel de. Hein ? Voilà, ce que je vais faire, c'est le milieu, mais le gars il m'a surpris, il a contré. En fait, t'es niveau combien, Cédric ? Je me rappelle plus, moi. Et oui, cette fois-ci, au fait, j'oublie dans la vidéo, cette fois-ci ce n'est pas Jordan Cooper qui m'accompagne, c'est Cédric, hein, et c'est les deux pour l'instant qui vont m'accompagner, et peut-être dans GTA 4 il y aura un nouveau, c'est ben comme celui que vous venez dans le... ben, celui qui est dans le groupe d'amis là, je vais vous faire voir, pour l'instant je suis caché, voilà. Pas Giovanni Eclair qui fait tout cheat, tu vois, oui, mais c'est un gamer, vous voyez, en plus il est déjà sur GTA 4. Ouais, voilà, je suis sur GTA 4 là. Et de toute façon je vais en faire des nouvelles vidéos de GTA 4 parce que comme l'a dit Specimen, c'est vrai que beaucoup demandent des vidéos de GTA 4 en français. Ah, je veux dire commenter en français. Ou des gameplays en français ou je sais pas quoi. Et puis en même temps, Pierre, en mode libre, en fait on vous fera voir par exemple en mode libre les mongols qu'il y a. Je veux dire les mongols qu'il y a, il y en a certains qui sont vraiment des abrutis finis. Et je voulais te dire aussi les... Les modders, c'est bon, ils sont revenus là. De quoi ? Un jour, puis ils ont réussi à recraquer et tout sur GTA. Ah ouais. Il reste. Hier soir, j'ai vu une voiture voler. Non, et puis aussi, on refera des courses comme la dernière fois, j'avais bien aimé faire une vidéo en course. Mais elle sera plus longue par contre, parce que bon, une vidéo de course, non. Olé ! Eh merde ! Ah ouais, d'accord. Et donc voilà, manche finie. Et vu qu'on a on est revenu en retard, moi et Cédric, et ben c'est fini parce qu'il y avait déjà une autre manche avant, mais elle n'a pas été faite. Je suis niveau 34. J'avais joué au tout début et j'étais déjà niveau 20 et quelques. Ça va vite, très vite. Quand même à tout si vous savez bien. Si vous savez bien jouer aussi, bien entendu. Si vous êtes des gros noobs, ça sert à rien de jouer. Ou si ça sert à jouer, mais vous êtes plus lent. Donc t'as fait rejouer, j'espère, toi. Hein. Recherche d'autres amis d'Abstergo en... Hein, t'as fait rejouer, hein. Ouais. Ok. La vidéo a déjà fait 7 minutes, donc c'est court. Ça va, douce, un peu vite les matchs. Les matchs de trucs là de chasse à l'homme. Ouais, on recherche déjà besoin d'Astergo, donc imaginez-vous sur ça déjà, ça va encore y a du monde. Mais sur les autres modes les plus nouveaux là, ceux qui ont été dans le DLC et tout ça là, ben en gros faut attendre au moins 20 minutes avant que tout le monde soit là, même plus. Alors, salut Néo. Là, je suis ouais. Dans le bug du bâtiment C d'hier. Ouais, d'accord. Oui, donc désolé, il y a beaucoup de monde sur le groupe d'amis. Je demandais à tout le monde de bien vouloir partir, à part Cédric. Éviter. Je sais pas, non, laissez tomber. J'ai des conneries. Et pour l'instant, en fait, j'ai levé mon micro d'Xbox pour pas qu'il m'entende. Donc voilà, comme ça, moi, je peux parler. Donc pour l'instant, bah désolé, mais c'est les recherches, parce que comme je l'avais dit, c'est voilà, c'est ça le problème d'un peu de Assassin's Creed, c'est que ça met 50 ans avant de rechercher. Non, je parle sur le micro là, normal, j'ai un peu levé le micro de Xbox pour parler. Et donc, comme l'avait pu constater, vu que normalement la vidéo là va venir après la vidéo que je vais mettre avant,
Là, vous avez pu remarquer que ça sera Borderlands, ma série nouvelle, et ça sera bien une sorte de Waxus en solo, et je vous ferai aussi une vidéo impression en coop avec bien entendu mon frère en invité. Oh yeah. Bon, Recherche ça fait d'autres 50 ans. engins d'Abstergo en cours. J'ai une vidéo Minecraft. Je crois que j'ai entendu ton frère crier derrière quand il déjouait la Oui, vidéo. malheureusement, mon micro est tellement puissant qu'on entend toujours mon frère quand il joue à Call of. Ça c'est vraiment chiant. Ah, je vois. Hey, Cédric, t'es pas pareil toi? Ah non. Non. Moi je l'avoue que je suis enragé. Bah, mon frère, t'inquiète pas, il l'avoue aussi, hein. Mais il arrive pas à se contrôler comme toi. Et en plus. Qui a jamais ragé? Un gros menteur. Bah, moi non, j'avoue aussi. J'ai ragé, mais pas à ce point quand même, tu vois. Pas à ce point à quitter ou des trucs comme ça. T'as ragé. Ouais. Regarde, dans Call of, t'as tellement changé. T'avais tellement ragé que Ah! tu as Oh, direct, on est 4. Il y en a, ça fait du 4 contre 2, vas-y, je prends. Oh, le bourreau, allez. Donc on joue avec le bourreau. On est 4 contre 2, ça fait un peu déséquilibré, mais bon, c'est pas grave, hein. Ça va être niveau bourrin, ça va faire mal. On est déjà 10 minutes de vidéo, ça va vite quand même, je trouve, j'ai l'impression. 10 minutes Bon bah. déjà? 10 minutes, ouais, déjà, moi. Donc il reste environ 15 minutes de vidéo, et puis. Et puis bah voilà, hein. On va. Puis on aura clos la vidéo d'Assassin's Creed. Donc on va essayer de faire au moins les deux manches et puis voilà, j'aurai fini la vidéo. Donc ça dure je sais plus combien de temps. Maintenant ça va commencer à du 4 contre 2, hein, bien joué. Avec je sais pas comment ils ont fait pour nous vous équilibrer, devez mais oh les membres appartenant à l'équipe de votre cible. On peut pas bouger? Ah mais normal, on est du 4 contre 2. Ah, change ton contrat, c'est bon. Ah voilà. Un mort de rire quoi. Ah, je te voyais aussi, je faisais, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Aïe, oh. En vrai, c'est parce qu'on n'avait pas pris de contrat, c'est pour ça en fait, il nous cherchait un contrat ce mongol. Et quand il y avait pas de contrat, bah en gros on était bloqué comme des. Votre cible a quitté la simulation. Ok! Bah ça commence bien, donc on va devoir refaire une nouvelle truc. Waouh! Ouais, je reste niveau 34! Merde alors! Plus 0, ouais. Bon, ben 4 sur 6, ça revient à 4 sur 6 malheureusement. Recherche d'autres agents en cours. Ouais. Ça fait chier là par contre. Hein. Ah, 5 sur 6, ça monte doucement. Synchronisation. Mais arrête, c'est pas équilibré, putain. Celle-là, je l'aime bien, elle. Ah, on y va, allez, hop. Recherche. Ah ouais, mais bon, ils veulent pas. On est tous un équipé, en fait. Oh. En attendant, je vais vous présenter, pour l'instant, c'est un truc. Je vais vous présenter mes trucs. Mes profils, donc voilà, pour l'instant, celui-là, c'est attaque, hein. C'est moi qui l'ai renommé, bien entendu. Lui, c'est attaque, il y a vision des templiers qui permet de voir ceux qui se camouflent. C'est-à-dire qu'en gros, comme moi, quand je me camoufle, ben, je peux les voir avec ses affects, ce truc. Et là, ben, le pistolet, c'est-à-dire que par exemple, s'il est au-dessus, j'ai pas envie de me casser le cou, il va me faire repérer. Boum. Ah, ça y est. Là, ça commence vraiment. Et donc, on va pouvoir enfin commencer. Donc, c'est-à-dire que là, ben voilà. J'ai rien à dire. Ah ouais, mais la courtisane, c'est la meilleure. Parce que quoi? Non, rien. Alors, donc là, on doit défendre, hein. On doit pas attaquer. Et on est sur Monterrey, Johnny. La ville de... Du oncle. Ah, il dit, oh, putain, je vais y arriver. Ouh! Et bien entendu, de ce chef Scream Brotherhood, il se passe quelque chose, je vais ne pas spoiler. Vas-y, bougez-vous! Je vais être en vie! On est trois là-dessus.
On est mort. On est mort s'il y a une meuf. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Peut-être la meuf. Oh la putain, ma plage. La poison. Fuck. Oh là là. Ils m'ont allumé. Ils étaient trop, je sais plus combien. Ils étaient trop, je sais plus combien. Ça fait pas français, mais bon. Ah voilà, avec Métamorphose et avec mes 5 filles, hein. Mes 5 filles, comme je disais, donc désolé, mon micro je le touche parce que là, je crois qu'on m'entend plus beaucoup. Et ça se confirme. Est-ce que tu m'entends encore, Cédric? Ouais, tu m'entends encore. Donc bah voilà, on a là, en fait, je me fais le max de points qu'il faut. Par contre, derrière, il y a un ennemi. Parce que c'est facile à deviner, mais elle court. Et comme par hasard, fallait qu'elle devine que je sois là, cette pute. Pardon pour les gros mots. Mais ce jeu fait pareil, c'est comme Call of, il fait quand même rager. Ça, c'est clair et net, hein. Ah, c'est like. Non, maman, corps pour toujours un peu. Ah, ben voyons la. En voilà la preuve, quoi. C'est cela. Et donc mes vidéos sur mon aventure Minecraftienne reviendront, hein. Ça c'est clair et net, de toute façon, parce que dans pas longtemps. Ah non. Oh. T'as besoin. Et donc mes vidéos sur mon aventure Minecraftienne vont revenir parce qu'en plus je peux remettre les mods que je mettais avant. Et malheureusement par contre j'avais fait un épisode avant. J'avais fait un épisode avant et il avait merdé, donc ça fait que j'ai dû. Oh merde. Je suis dans la merde. Je t'ai vu toi. Oh merde, mais non, mais je voulais faire fumigène. Le con. Bon, on est mort, hein. Mais je pouvais pas l'humilier, c'est quoi ce bordel? Mais allez, encore une fois, putain. C'est chiant, sa mère. En fait, on aime bien attaquer, mais on aime pas défendre. Ça, c'est... On va se mettre là. Ah ah. Regardez-moi cette pétasse là-bas. Oh, regardez-moi cette pétasse là-bas. Mais non! Ils sont fumigènes à la con, je me suis fait niquer. C'est vraiment chiant. Il reste 30 secondes. Mais allez, mais arrête, je tape avant là. Putain, ça me dégoûte encore ça, là c'est n'importe quoi. Allez, chante à la mampouse. Donc voilà, fin de la première manche et tout de suite on va passer à la deuxième manche normalement. Et donc j'en suis qu'à 1000 points, je suis mort cette fois. J'ai fait la merde. La moindre fois. Non, même pas toi. C'est un gars qui a eu 5.
Donc c'est parti, en plus ils étaient 3 hein. Je crois qu'on s'est en train de se faire, on s'est fait niquer pour l'instant. Et quand je dis niquer, c'est niquer hein. Allez c'est parti. Bah je vois qu'on a aussi des meufs là-dessus là. Ah mais moi je peux avoir... Ah ah, espèce de blagueuse. Deuxième manche. Allez c'est parti, donc là on attaque cette fois-ci, on va tuer tous. D'accord, allez c'est vrai que salope. Comme si c'était pas pour durer. Et hop. Comment je vous ai tous niqué. Oh. Deux. Et en plus j'ai atteint niveau 35. En voilà une note. Ah oh, le truc ça a fait que... Bien joué. Mais arrêtez d'être à deux dessus putain, bande de... Ils sont tous en haut quoi, c'est n'importe quoi. Elle est là. Elle a redescendu. Yeah. J'ai sauvé. J'allais lui tirer. Putain, les Jashin. Attention. Putain, ils font que ça, t'as vu ça? Ils essayent toujours que nous. Là, là. Ils essayent toujours mettre des fumigènes. Et en fait, ils viennent toujours que vers nous en fait. En gros, ils font la tactique du je vais t'humilier tout le temps. Comme ça, j'aurai toujours des points. Attention! Bordel! Vous avez été humilié. Putain! Tire! Tire! T'as vu, c'est des gros. J'aime pas là, c'est. Là, c'est comme du calop, c'est comme si le gars il campait là. Là, je suis désolé, c'est des salopes. Désolé du gros... des gros mots, mais. Je suis désolé, mais là, en fait, ils se cachent même pas, ils cherchent surtout à nous dégommer, c'est. Je vois pas, c'est. C'est, un... c'est nul là. Je vois pas. Déjà, je vois pas le plaisir à faire ça, quoi. Juste à part tricher et à venir sur notre gueule, quoi. Regarde, là. Aïe. Allez. Contrat perdu. Je suis dans la merde, moi. Et allez. Putain, merci. Tiens, connasse. T'as pas été... T'as pas réussi à m'humilier. Désolé pour les gros mots. Pas grave. Là ça m'énerve là, désolé pour tous ceux qui lisent la vidéo, ils aiment pas les gros mots. Je m'en excuse mais. Yeah. Mais là c'était obligé, attention. Puisque là j'en ai ras le bol là de ça là. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh là là. Allez. Regarde, regarde, ils vont nous attendre, regarde, c'est dégueulasse. Regarde-moi ça. Contrat perdu. Non mais arrête, arrêtez, franchement c'est pas du jeu. C'est... Ils font des trucs mais laisse tomber quoi. Attends, attends, attends. Regarde, 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 voilà. On peut rien faire. Non, j'en suis à 23 minutes, de toute façon c'est la fin là, ça va être la fin donc ben... Ça va faire 25 minutes de vidéo. J'ai vu une vidéo sur Portal 2, et le mec il a fait une vidéo d'environ 1h30 et il a réussi à la mettre sur YouTube. Bah ouais, moi je peux aussi, j'ai mis une vidéo 56 minutes moi. Hein? Je peux la mettre plus loin mais bon après ça va faire beaucoup de gigas. Ouais, puis le temps pour la mettre sur YouTube ça doit être long non? Bah j'ai mis 4h, 4-5 heures. Regarde moi, quand je faisais mes vidéos de hack tu vois sur les iPhones et tout. Je prends je publie directement depuis le téléphone. Ah ça va plus vite. Oh oui. Mais allez, t'as plu là. Voilà. Bon bah franchement c'était nul. Je veux dire dans le sens où ils ont joué le les salopes les de l'autre côté.
Je suis désolé, mais ce gros là c'est obligé parce que là il en fait il sort que ça. C'est bon, alors c'est une méthode de triche, mais c'est quand même dégueulasse. C'est même pas, c'est pas du fair play, c'est à dire pas essayer de se cacher. Ils ont surtout essayé de nous dégommer. En plus, ils attendaient qu'on se relève pour nous dégommer encore plus. Enfin, désolé, mais c'est du anti-jeu. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. Et comme d'habitude, portez-vous bien ou je sais pas quoi. Merci de d'avoir encore plus d'abonnés, etc. Allez, je vous dis à plus et à la prochaine. Vas-y, Cédric, dis au revoir. Et puis aussi, tout Simon.